La parole de Dieu est remplie de merveilleuses promesses concernant la guérison, que ces versets qui sont source de vie s'enracinent profondément dans votre cœur et se manifestent par une guérison complète et parfaite dans votre corps. Il est écrit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole, il est guéri, il les fit échapper de la fosse. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ésaïe 55, verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il est écrit dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Proverbes 4, 20 à 22, il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Dieu vous invite à être rafraîchi en lui. Saturez-vous de sa parole vivante afin d'être restauré dans toute votre vigueur. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Psaume 105, verset 37.
Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Caleb dit dans Josué 14, verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Psaume 92, verset 13 à 15. Car les justes poussent comme le palmier, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans ta maison, Éternel, ils fleurissent sur les parvis de ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 40, verset 2 et 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Ésaïe 57, versets 18 et 19. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix,
paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Sachez qu'en Jésus-Christ, la rédemption vous appartient, car il a payé lui-même de sa propre vie afin que vous soyez libres et guéris. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il est écrit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Au long de son ministère, Jésus fit de multiples guérisons et accomplit une multitude de miracles. Jésus n'a certainement pas changé. Il se soucie de vous et désire faire de même aujourd'hui. Dans Luc 4, versets 18 et 19, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Matthieu 4, versets 23 et 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Matthieu 15, versets 30 et 31. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Marc 5, versets 25 à 42. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements,
je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Luc 6, versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jean 8, versets 28 et 29. Jésus donc leur dit, vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Matthieu 8, versets 5 à 10 et 13 à 17. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier, « Va,
qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Votre situation est peut-être bien difficile, mais sachez qu'avec Dieu, vous pouvez vivre l'impossible. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'autorité sur la maladie et l'Éternel est tout-puissant pour vous en délivrer. Luc 18, verset 27. Jésus répondit : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jean 11, verset 40. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 14, verset 12. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Matthieu 10, versets 7 et 8. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Acte 4, verset 10. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Philippiens 2, verset 9. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Acte 3, verset 2 à 10. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât au monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous! » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » 1 Jean 4, verset 4.
Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jacques 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Vous pouvez certainement expérimenter la bonté de Dieu et c'est dans son cœur et dans sa nature même de guérir. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Psaume 145, verset 8 et 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jean 5, verset 30, Jésus dit: Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 8, versets 2 et 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En référence au ciel dans l'Apocalypse 21, verset 4, il est écrit: Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Lamentations 3, versets 22 à 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Exode 9, verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Psaume 30, versets 1 et 2. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 16, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Esdras 8, verset 22. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Ésaïe 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 38, verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Psaume 65, verset 5. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. La Bible nous encourage à s'approcher de Dieu par la prière et à saisir notre guérison par la foi. Jacques 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 1, versets 6 et 7. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. En parlant aux 10 lépreux dans Luc 17, verset 14, Jésus dit, « Allez vous montrer au sacrificateur et... » Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Apocalypse 3, verset 11. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Dans Luc 8, verset 50, Jésus dit, ne crains pas. Crois seulement. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu 9, versets 27 à 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, ils répondirent. » Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Père éternel, je te prie pour chaque individu en besoin de guérison. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui sature les corps maintenant. Sois glorifié parce que c'est ton onction qui brise le joug. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéri. Vous êtes la tête et non la queue, et l'ennemi est sous vos pieds. Vous avez été racheté de la malédiction et la maladie doit quitter votre corps maintenant. Esprit impur et d'infirmité, je vous lie et vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la douleur de vous quitter immédiatement. Je déclare et décrète que votre corps s'aligne avec la volonté de Dieu dans le ciel. Merci Seigneur Jésus que ta parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Je déclare et décrète que tous vos organes fonctionnent normalement. Ils sont restaurés. Que votre système immunitaire et votre glande thyroïde fonctionnent de façon optimale. Je commande à toute forme de tumeur et de cancer de se désintégrer et de vous quitter maintenant. Diabète, tu meurs. Arthrite, tu meurs. Fibromyalgie, je te commande de dessécher et de mourir sur le champ. J'ordonne à tout esprit de surdité de vous quitter maintenant et je déclare que vous entendez parfaitement. Je déclare également et décrète que vous avez une vision claire et restaurée de 20 sur 20. Troubles et maladies pulmonaires, asthme, vous disparaissez à l'instant même. Toute forme d'allergie,
vous desséchez à tout jamais. Je maudis la grippe, je maudis la fièvre et toute autre forme d'infection et commande de quitter votre corps maintenant. Cerveau et fonction mentale, vous êtes restauré à la perfection. Pression sanguine, tu es restauré à un niveau normal. Je maudis tous les problèmes digestifs. Système nerveux, je t'ordonne d'être entièrement rétabli. J'ordonne également à toute maladie chronique et dégénérative de dessécher et de mourir maintenant. Vous retournez d'où vous venez. Je parle la vie à votre corps. À tous ceux également qui ont besoin d'un nouvel organe ou d'une nouvelle partie du corps, merci Seigneur Jésus que tu recrées même toute partie manquante. Je te loue pour les miracles créatifs. Je déclare que vous êtes fait complet. Je décrète le shalom de Dieu sur votre vie. Rien de manquant, rien de brisé. Vous êtes couronné de santé divine. Que la puissance de guérison vous envahisse dans chaque muscle, chaque cellule de votre être tout entier. Seigneur Jésus, je te demande de déverser tes fleuves d'eau vive sur chaque personne en besoin de ta touche. Soyez rafraîchis, vivifiés et fortifiés. Recevez la puissance de Dieu. Recevez votre guérison dès maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah.